Une douleur qui va te pousser à changer. I hope you understand. Say it again. I hope you understand. J'espère que vous avez compris. Do your hands like this. Faites ça si vous avez compris. Voilà. Yes, yes. On continue. There is no discipline that is sweet. Il y a pas une discipline qui est. It's always painful. Ça fait but at the end, mais à la fin, après it brings joy. Ça amène la joie. To the child that is disciplined. À l'enfant qui a été discipliné. And discipline be done with love. La correction doit être faite avec amour. Because of the future of the child. À cause de l'avenir de l'enfant que tu es en train de corriger. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Louange au Seigneur. In 1 Timothy chapter 5 verse 2. Dans le premier livre de Timothée chapitre 5 verset 2. The Bible says they that sin. La Bible dit que ceux qui pêchent. Rebuke them openly. Réprimandez-les ouvertement. Openly. Ouvertement. In our days today. Dans nos jours aujourd'hui. Church people hate rebuke. Les gens de l'église aiment qu'on les réprimande. N'aiment pas qu'on les réprimande. Once you rebuke them, they run away to another church. Ils quittent l'église et puis ils vont dans une autre église. Because nobody wants to accept rebuke. Parce que personne ne veut accepter les réprimandes. And if they allow you the way you came et si on te laisse comme tu es arrivé, you will destroy yourself. Tu vas finir par te détruire toi-même. Amen. Amen. So we need to accept the rebuke of fathers. Alors on doit accepter les réprimandes des pères. They want to do you good. Ils veulent nous faire du bien. Hallelujah. Hallelujah. Proverbe chapitre 27 verse 5. Can someone read quickly? Verset 5 rapidement. I'm going to read some scripture before we continue. Je vais lire des passages avant qu'on quickly. Continue. Proverbe chapitre. Proverbe chapter 27 verse 5. 27 verset 5. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. That is true. It is good to rebuke somebody openly. Réprimander une personne ouvertement. Than to love him. Yeah. Tu vas bien, mais tu sais que les, ça va pas. Instead of rubbing the person and saying it's well, and you know that it's not well. And that's what mothers do. Et c'est ce que les mamans font. And some fathers. Et certains pères. Tu vas bien, mon fils. Ça va aller, ça va aller. Fais doucement. Just take it easy. Et l'enfant en train de se détruire. And the child is killing himself. One day a bandit was about to be shot. Alors, un jour un bandit était sur le point d'être fusillé. He said, "Before you shoot me." Et il a dit avant de me fusiller, I want my mother to come. J'aimerais qu'on appelle ma mère. Because I want to whisper something. J'aimerais vraiment murmurer quelques paroles à ses oreilles. And they brought et the mother. Comme c'est son dernier sa dernière demande, on a amené sa mère. When the mother came. Quand sa maman est arrivée. The boy beat off the ear of the mother. En voulant dire quelque chose à l'oreille, a mordu l'oreille de sa mère. He beat it il off. A, he cut it off. Il a arraché l'oreille de sa mère avec he ses said, dents. This will serve you lesson. Et il a dit à sa mère, ça va te servir. Because when I was stealing. Parce que quand je volais, I'm bringing money. Et que j'amenais de l'argent. You never rebuked me. Tu m'as jamais dit que c'était pas. Look at where I am today. Regarde là où je suis. When people see your quand les gens verront ton oreille qui est and it's not complete, et c'est pas complet, you will tell them that you made a mistake. Tu leur diras que je me suis trompé en élevant mon enfant. Hallelujah. Hallelujah. Proverbe chapitre 23. Proverbe 23. Verse 12 to 15. Quickly. 12 à 15. If I call scripture, please read quickly. Quand je dis un passage, lisez ça vite. Verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Amen. Assez amen. Je dis amen. Flog the child. Il faut corriger l'enfant. Chicote l'enfant. Amen. Amen. Flog the child. Chicote-le. It's recommended. C'est recommandé. It's what? C'est. Amen. Amen.
Recommandé. C'est recommandé. But today, mais aujourd'hui, no discipline in the home. Il n'y a pas de discipline à la maison. Mm-mm. You buy biscuits for them. Tu achètes des biscuits pour eux. Buy new telephone to console them. Tu vas acheter un nouveau téléphone pour le consoler. An iPad. Et l'iPad. Dans les bêtises. In foolishness. Am I talking to people there? Est-ce que je parle à des personnes ici? L'enfant a commis des bêtises. Now the child did something wrong. Tu as parti acheter iPad. You went to buy an iPad. Avec téléphone. With a new phone. Qui est le téléphone qui est plus élevé maintenant? What is the latest hein? Phone? Oui, c'est bon. Tu as commis des bêtises, mais. Yes, you've done wrong, but. Il faut se consoler I mean, avec ça. Just take this and console yourself. And you're destroying your home. Et tu détruis ta maison. And the child. Et tu détruis ton enfant. Proverbs chapter 28. Proverbe 28. Verse 23, quickly. Verset 23. Is somebody following me this morning? Est-ce une personne qui suit le message? Okay, I know. This is not the kind of message you want. Je sais, ce n'est pas le genre de message que vous aurez aimé entendre. You want to fall down and rise up. Vous voulez tomber, vous le. And shout hallelujah. Crier alléluia. And fire will come down. Et après le feu descend. Today is a special service. Aujourd'hui c'est un culte spécial. There is healing that is coming through this teaching. Il y a une guérison qui va se prendre place au travers de l'enseignement. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. All right. Stop flattering the children. Arrête de flatter les enfants. Tell them the truth. Dis-leur la vérité. They will not die. Et ça va pas les tuer. Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13. Verse 1. Verset 1er. And verse 13 quickly. Et verset 13. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Un fils sage écoute quoi? A wise son listens l'instruction de son père. Instruction of his father. Mm-hmm. Le moqueur n'écoute pas la réprimande. Moqueur. The mocker. Moqueur. The scornful. N'écoute pas. Don't listen. His instructions. Instructions. Okay. Verset 13. Verse 13. Celui qui méprise la parole se perd. Yeah. Celui qui craint le précepte est récompensé. Amen. Amen. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Verse 6. Verset 6. And verse 15, quickly. Verset 15, rapidement. 6 et 15. We're going to read scripture. We're going to read scripture. Nous allons lire beaucoup de passages. It's good to talk through scripture. C'est bon de parler au travers de la parole de Dieu. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Verset 16. Verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Écoutez bien. La folie est attachée au cœur d'un enfant. To the heart of a child. Mais comment enlever ça? But how to remove la verge de la correction. Va enlever ça. Of correction, ça va sortir. It will go out. Hein? Dès que tu le chauffes, as you start to warm his buttons a little. Et tu le chauffes, tu pries que ça rentre bien. When you are doing it, you pray that it gets in good. Parce que l'ennemi peut endurcir même son cœur. Because the enemy can harden his heart. Tu pries que ça rentre bien. You pray that it gets in good. I don't say slap the child. Je ne viens pas dire de gifler l'enfant ou bien de lui donner des coups de poing. No. Get good stick. Il faut chercher un bon bout de bâton. Chau. Et tu le chicotes, tu le chicotes. Chau. Chau. Les folies là va partir. Now that madness is going to leave his body. À partir d'aujourd'hui. From now on. La folie qui est dans le cœur des enfants. That is in the heart of children. Enlevé au nom de Jésus. In the name of Jesus. Même si tu dis amen ou pas. Whether you say amen or not, it has. Au nom de. In the name of Jesus. There is a generational problem today. Il y a un problème générationnel aujourd'hui. That is eating deep. Ronger en profondeur. In the whole system of the world. Dans le système mondial. And if it is not checked, si or stopped, cela n'est pas changé ou bien on n'arrête pas ça, the children will have no destiny and future. Les enfants de demain n'auront ni destinée. They will be destroyed completely. Ils seront tous détruits complètement. In Acts chapter 2 verse 4. Dans le livre de Actes chapitre 2 verset 4. The Bible says. La Bible dit. Deliver yourself. Délivre-toi. From this untold generation. De cette génération perverse. Perverse.
Proverbe chapitre 13. Let's read verse 11. Lisons le verset 11. To 13 quickly. Au verset 13. And verse 17. Et verset 17. Quickly, quickly. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un Amen. Espoir différé rend le cœur malade. Proverbe chapitre 30, you're reading 13. 30 plutôt. Sorry. Verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue a deux filles. Donne, donne. Trois choses sont insatiables. Verse 17, please. Verset 17, s'il vous plaît. L'œil qui se moque. L'œil qui se moque. The eyes that do what? Their père. That scorns at the father. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront. Et les petits de l'aigle le mangeront. Do you see why children die young? Voyez-vous pourquoi les enfants meurent jeunes? They no longer submit to authority of fathers. Ils ne sont plus soumis aux autorités de leurs pères. Children have become mockers of their fathers. Les enfants sont devenus des moqueurs envers leurs parents. Have all your time fini. Ah, this your time is for fashion. Let's not tranquille. Leave us, let us leave. Tu es vieux. You are very old. Let's not fait notre oh, temps. Leave us, live our life. Mocker. Des moqueurs. And he that mocks his father. Et celui qui se moque de son père. The bird will pluck the eyes off. Les corbeaux vont lui arracher les yeux. Are we talking scripture? Est-ce que nous parlons de l'écriture? Is somebody following me? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit? You are not happy. Vous n'êtes pas content, hein? I know. Je sais, vous n'êtes pas content. I know. Je sais. If you're happy, I know how you dance. Si je suis content, je sais comment vous allez crier, sauter. Because this is not the kind of message you want. Parce que c'est pas le genre de message que vous voulez entendre. Mm-mm. The stage we are now. L'état où nous sommes maintenant. You don't come to church to be cajoled. On ne vient plus à l'église pour être cajolé. Because destiny is involved. Parce qu'il y a des destinées qui sont impliquées. Life is involved. Il y a la vie qui est impliquée. We preach to deliver. Nous prêchons pour délivrer. Not to make you to laugh. C'est pas pour vous faire rire. The church is not a cinema hall. L'église n'est pas une salle de cinéma. It's a place of correction. C'est un endroit de correction. It's a place of training. C'est un endroit de formation. It is a spiritual hospital. C'est un hôpital spirituel. And the medicine and injection is the word of God. Les injections, les médicaments, l'ordonnance, c'est la parole de Dieu. So this morning I'm giving you your chloroquine. Alors ce matin je vous donne votre chloroquine. Kinemax. Votre Kinemax. Nivaquine. Votre Nivaquine. And all the queen. Et tous les queens qui se suivent. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Louange au Seigneur. Do you know that every medicine that cures malaria has queen, queen? Savez-vous tous les médicaments qui guérissent le palu ont queen à la fin? Amen. Amen. And the greatest problem today. Et le plus grand problème aujourd'hui. Is finance. C'est les finances. And money. Et l'argent. And through preaching. Et par la prédication. I'm giving you dollar queen. Je vous donne le dollar queen. Francéfaquine. Euro queen. L'euro queen. You need to receive it. Et vous devez recevoir cela. Malachi chapter 4. Malachi chapitre 4. Verse 5 and 6. Verset 5 et 6. In the Old Testament, dans l'Ancien Testament, the Bible said, la Bible dit, that the role of Elijah, que le rôle d'Élie, is to bring back the heart of the children to the father. Le rôle d'Élie était de ramener le cœur des enfants à leur père. God wants the hearts of the father and the children to be reconciled. Dieu veut que le cœur des enfants et de leur père que ça soit réconcilié. And the father of John. Et le père, le papa de Jean, le, Baptiste, le jour de sa consécration, a répété ce que Malachi avait dit. In John chapter, in Luke chapter, Luke chapter 1, chapitre 1, verset 16 et 17. Go
God wants the hearts of the children to be reconciled to their father. Enfants à leur père. So that there will be peace in home. Afin qu'il y ait la paix dans les foyers. Children are becoming rebellious. Les enfants commencent à devenir rebelles. To their fathers. À leur père. May God bring healings. Que Dieu apporte la guérison. To every home. À chaque foyer. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. There are many children today that are fatherless. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont sans père. Fatherless. Ils sont sans père. And when you look at children. Et quand tu regardes aux enfants. That are brought up with the authority of a mother. Qui ont seulement grandi dans, sous l'autorité maternelle. There are character flaws. Il y a des problèmes ou bien des défauts de caractère qui se manifestent. They don't respect authority. Ce genre d'enfants ne respectent pas l'autorité. Because they don't know what authority is. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi une autorité. They're always rebellious. Ils sont tout le temps rebelles. Even in the church. Même dans l'église. In their office where they work. Dans leur lieu de travail. And anywhere they go. Et partout où ils vont. They become rebellious. Ils deviennent rebelles. And nations are in confusion. Et les nations sont dans des confusions. Because children refuse to take godly and holy correction. Parce que les enfants refusent d'avoir une correction saine.